petite vidéo de présentation des fréquences en statistique. Première partie, d'abord la définition en français. Donc on dira que la fréquence d'une valeur d'un caractère est le quotient de l'effectif par l'effectif total. C'est une définition qui a déjà été vue au collège avec une méthode de calcul qui revient à, pour calculer la fréquence, faire le quotient entre l'effectif étudié sur l'effectif total. Si on reprend cette définition en langage statistique plus lycée, si on appelle N1, N2, N3 jusqu'à NK les K valeurs de l'effectif correspondant aux valeurs du caractère étudié, alors on peut noter que F indice I, c'est-à-dire la fréquence de la ième valeur de mon caractère, est égale à NI, c'est-à-dire l'effectif correspondant à cette ième valeur sur l'effectif total. Et souvent on appelle grand N l'effectif total. Cette définition est un peu difficile à comprendre, il y a beaucoup de lettres, N1, N2, N3, NK, etc. Je vous propose de la décortiquer et de la reprendre sur un exemple basique, et vous allez voir qu'elle est extrêmement abordable. On se donne une série statistique quelconque, avec des valeurs qui sont 2, 5, 6 et 9, et des effectifs correspondants, donc on voit bien que l'effectif de la valeur 2 de mon caractère est 4, etc. L'effectif de la valeur 5 de mon caractère est 7. Et la question qu'on se pose dans cet exemple est de calculer la fréquence de la valeur 6 du caractère. La valeur 6 est donc celle-ci. Quelle est la fréquence correspondante? Alors on pourrait la calculer façon collège en appliquant la formule rappelée tout à l'heure, effectif étudié sur effectif total. Là, l'idée est plutôt d'essayer d'appliquer la formule plus statistique, plus lycée, que nous venons de voir avec F indice I. Alors, dans ce tableau, il s'agit de bien repérer que la première valeur de mon caractère, c'est 2, et donc c'est ça qui va s'appeler X1. Et l'effectif correspondant à la valeur 2 de mon caractère, X1, on va l'appeler N1. Et ainsi de suite, on va remplir le tableau. X2 vaut 5, deuxième valeur de mon caractère, et N2 vaut 7. X3, troisième valeur de mon caractère, vaut 6. L'effectif associé est X4, N4. On comprend bien dans cet exercice que calculer la fréquence de la valeur 6 de mon caractère, c'est calculer F3, F indice 3. Attention, le 3 qui est là est donc bien le rang de la valeur de mon caractère. Ce n'est pas la valeur, ce n'est pas F6, ce n'est pas parce que la valeur de mon caractère vaut 6 que je vais calculer F6. Je regarde simplement dans mon tableau de valeurs, classé par ordre croissant, 1, 2, troisième valeur dont je calcule F3. F3 correspond à l'effectif de cette valeur de mon caractère, donc à N3, sur la somme de toutes mes valeurs. Et donc si on applique maintenant un petit peu bêtement cette formule, on va trouver que F3 est égal à 5, c'est-à-dire la valeur ici, correspondante à N3, sur la somme de tous mes effectifs en effectif total, soit 5 vingtièmes, 1 quart, soit 0,25. Alors, une petite propriété. Première chose déjà à voir, c'est qu'une fréquence est un nombre qui est sans unité. Il ne s'agit pas d'y rajouter une unité, on divise un effectif par un autre effectif. Le résultat est sans unité. Par contre, on peut l'exprimer en pourcentage, si on estime que c'est intéressant, si l'énoncé nous le demande, en multipliant par 100 sa valeur. C'est-à-dire que si je reprends mon exemple précédent, on avait F3 qui était égal à 0,25, en multipliant par 100, on pourrait dire que cette fréquence vaut 25%. Ces deux expressions sont synonymes. Et enfin, une autre propriété qui est assez intuitive et vue au collège quand même, si on revient à la définition statistique avec mes NI, on se rend compte quand même que le numérateur et le dénominateur sont deux nombres positifs, puisque le numérateur, c'est un effectif de la ième valeur de mon caractère. Au dénominateur, c'est mon effectif total. Le quotient de deux nombres positifs est forcément positif, donc ma fréquence sera forcément positive. D'autre part, quand on observe la fraction, on constate que le numérateur est toujours inférieur au dénominateur, inférieur ou égal. Puisque en haut, on a l'effectif d'une valeur de mon caractère, et au dénominateur, la somme de tous mes effectifs. Donc, nécessairement, si une fraction a un numérateur inférieur au dénominateur, elle est inférieure ou égale à 1. Pour résumer, une fréquence sera toujours un nombre compris entre 0 et 1.